Voilà. Ouais. Je trouve que les robes avec comme gros ventre bien rempli. C'est pour ça que je m'étais enceinte. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain. Moi, c'est Bimchou pour ceux qui ne me connaissent pas. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, welcome. Et pour les habitués, welcome back. Alors aujourd'hui, avec ma soeur, on va faire un haul Shein et Stradivarius. Donc voilà, on va vous montrer un peu les tenues qu'on a achetées. Moi, plus des tenues grossesses. Et ma soeur, des tenues sexy, mais un peu du même style parce que ma soeur et moi, on a le même style. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Donc abonnez-vous à son compte. Tous mes réseaux sont toujours en barre d'infos. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Let's get into it. Du coup, les guys, voilà la première tenue. Du coup, on a toutes les deux une jolie petite jupe en maille. Ouais. La mienne un peu colorée, la tienne blanche. La sienne vient de Chine. Voilà. Et moi, Stradivarius. Exactement. On dirait de Vectron. Donc là, vous pouvez vite faire voir le modèle. Donc voilà. La mienne, elle a une petite fente là de côté. J'aime trop. Ça fait trop été. Ça fait. En plus, ça va bien avec mon petit ventre de grossesse. Ouais, c'est beau. C'est hyper cute. Ouais, c'est hyper cute. Et pour ma soeur, sa fente, c'est par derrière. Ah, non, j'en ai pas. Il n'y a pas de fente. Okay. Et la tienne, elle a un petit jupon. Ouais. La mienne, elle n'a pas de jupon. Ouais. Du coup, les filles, ça se met avec comme un devant, un dessous, en été, à la plage. Ouais, à la plage. Moi aussi, je peux mettre ma part à la plage. Mais du coup, j'ai envie de couper ce jupon. Il ne me plaît pas trop. En fait, je trouve que ça me donne trop de travail à tout le temps le baisser. Donc, je préfère couper. Je vais enlever le jupon plus tard, vu que je l'ai acheté hier. Je vais enlever le jupon plus tard et je vais le mettre avec un petit short. Un petit cycliste, tu vois, juste pour que, vu que c'est transparent. Mais j'aime pas trop. Tout le temps, je dois baisser le jupon là. Je trouve que c'est de trop. Pour aller à la plage, tu marches et tout. Tu as déjà ton bikini en dessous. Du coup, voilà. Quand tu l'enlèves, au calme. Tu prends ton coup de soleil et tout, tu prends ton petit mojito. Vacation vibe en fait. Moi, ce que j'aime bien sur des trucs comme ça, c'est que ça peut faire sexy, mais pas. Et déjà, c'est pas vulgaire. Ouais. Et à la limite du classe. En fait, ça dépend comment tu l'accessoires, tu vois. Ouais. Si tu mets avec une belle petite talon, ou tu mets une sandale. C'est ça que je dis. Ouais. Hey, on ne doit pas se négliger parce qu'on a 100 ans. Quand petit même. Crop top là. Quand petite même. Jupe. Et tu es belle, tu es coquette, t'es mimi en fait, tu vois. Ouais. Et moi j'aime trop les bails comme ça. Hier quand je suis tombée dessus, j'ai dit c'est sûr je la prends. C'est sûr je la prends. En plus, pourquoi j'aime les vêtements comme ça? C'est parce que même si je suis plus enceinte, je pourrais la mettre. Bah ouais. Ouais. Là, elle est juste beaucoup plus courte parce qu'il y a le ventre qui prend la place. Mais du coup, même après l'accouchement, je pourrais la mettre en fait. Parfait. Ouais. Donc j'aime beaucoup. Du coup, on va noter nos tenues. Oui. Bon, toi, je te donne sur 10. Un 8. Regarde bien. Un 8. Un 8. Oui. Pourquoi 8? 8 parce que je trouve ça très beau. Mm-hmm. Mais. Mais il est tout blanc. Du coup, je trouve que ça ne fait pas trop été. Tu vois, l'été, c'est les couleurs, le peps, c'est tout. Mais sinon, c'est parfait. Je trouve que surtout avec ton rôle, c'est. Ouais. Ok. Ça va, 8, c'est une bonne note. Ouais. Ça te va hyper bien. Merci. Ouais. 9. Ouais. Ouais, 9. Tout à l'heure. 9, pourquoi? Parce que j'aurais quand même aimé qu'elle ne soit pas totalement transparente. Ouais. Pour pouvoir peut-être mettre juste comme ma part. Quand un petit jupon. Voilà. Ouais. Voilà. Donc j'aurais préféré qu'elle soit pas totalement transparente et je t'aurais donné un 10. Mais vraiment, elle est presque parfaite. Donc pour moi, un 9. Ok. Ouais. À la prochaine tenue. Voilà, second outfit. Moi, c'est une petite robe en maille avec ces petits détails-là. Et ma robe, elle vient de Chine. Oui. Ou toi? Bah, moi, c'est pareil. Une petite robe en maille. Complètement transparente, ouais, du bas jusqu'en haut, ouais. Même là, transparente partout. Mais j'aime bien, elle est légère. Tout tu vois, pour voir les détails de derrière. Ouais. Voilà, elle est dos nu. Ouais. Elle est par contre bien longue. Hein, donc c'est ouais. Bien. Elle est bien longue. Elle est bien longue par contre. Mais elle est vraiment totalement transparente. Ouais. C'est dommage. Mais n'essayez pas de zoomer. Parce que même si vous essayez de zoomer, vous n'allez rien voir. Je vois déjà les pervers venir. Abstenez-vous. Abstenez-vous. Par contre, en face comme ça, je vois littéralement tout son corps. Je peux tout voir. Donc c'est uniquement pour aller à la plage vraiment. Oui. Mettre un bikini en dessous. En dessous. Ouais. Du coup, tu notes ma tenue combien déjà t'as la même robe. Bon. Bah voilà. Sachant que j'ai la même robe, du coup, forcément, j'aime bien la robe. Ouais. Et honnêtement, je trouve qu'elle va. Elle va encore mieux qu'un mois. Ah ouais? Avec le ventre, ouais, je sais ouais, pas. Ouais. Je trouve que des robes avec un gros ventre bien rempli. C'est pour ça que je m'étais enceinte. Ouais, ça fait très mix.
ça serait trop cute. Ouais, ouais. Franchement, il n'y a aucun problème à la Donc, banque. Tu donnerais un 10. Un 10? Ouais, un 10. Okay. J'ai le même problème. Je donnerai un 10, sauf que c'est transparent. Ouais. Je dis la même chose que la première. Ouais. C'est transparent. Je vois littéralement tout. Du coup, ça te limite. Tu peux la porter ouais. partout. C'est vrai. Et c'est le seul bémol. Sinon, je donne un 9 parce que je la trouve hyper sexy quand même. Là, c'est un de mes meilleurs outfits. Perso, pour toi ou genre... Non, pour moi. Pour moi, mon outfit est l'un de mes meilleurs outfits. Déjà parce que je suis tellement à l'aise. Après, c'est vrai, j'étais à l'aise avec les autres. Mais là, ouais. Je suis en même temps, je sais pas, en même temps classe. Ouais, en, ça même fait temps si sexy, oui, en même temps, ouais. Je peux marcher à la plage également. J'aime trop. J'aime beaucoup. Merci. Ça met grave mon ventre en valeur. J'aime bien le sien parce qu'il est ouais. stretchy, tu vois. Il est vraiment à l'aise. Que ça, je sais pas si en fin de grossesse, ça va toujours m'aller. Par contre, si, j'aime bien. Je pense que si. Ouais, franchement, il est super genre, stretchy. Sauf si je remonte les cuisses. Là, c'est chaud parce ouais. que c'est en dents. Ouais. Mais sinon, honnêtement, hey, magnifique. Il est beau. Du coup, je vais te noter. Vas-y. Si là, tu ne notes pas bien ce que non. tu écris. Bon, vas-y. Non, mais non, il n'y a rien à dire. Combien? Franchement, je vais donner 9,5. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi? Parce que vu que je te dépasse en taille, si moi je l'achetais, ça aurait été légèrement court. Mais tu dois pas juger par rapport à toi, wesh. Tu dois juger oui, mais... par rapport à comment c'est sur moi. Ok, bah si je dois juger comment c'est sur toi. Oui. Même, tu vois, quand c'est long comme ça, j'aime bien. Genre même sur toi, je trouve que ça aurait été mieux. Parce que si tu mets avec soit un talon ou même avec des baskets, tu vois les baskets maintenant elles ont deux. Tu vois, voilà, comme ça fait pas comme si c'est court. Je trouve que c'est pas trop court. Hein. Non. Regardez, ça arrive quand même presque. Mais tu peux faire comme ça. Mais oui, wesh. Honnêtement, ça m'arrive à la ouais, c'est pas trop bien, court, mais je trouve qu'il fallait... Non, allez, abuse, tu es aigri. Tu es aigri. Je t'ai donné 9,5, wesh. Non, pas le demi là, c'est pour faire quoi avec? Tu fais comme le mais c'est pas 9,9. Mais je retire un point, je trouve que c'est pas assez long. Et moi j'ai ce problème là. Mais moi j'aime comme ça, parce que là, tu peux mettre avec une sandale. Et du coup t'as pas peur que ça touche le sol. Mais ça touche pas le sol là. Ça touche le sol, déjà ça touche ta babouche. Et même mais ça, sauf que si je mets avec une basket. Limite ça va toucher ma babouche. Limite si non, même pas. Ouais, même ouais, pas. Limite. Même pas. Même pas. Bref, 9,9. J'ai aimé. Merci. J'étais dans ma note. 1 sur 10. Ta vraie note. Ok, bah je kiffe. Non, mais Zoizo, je la kiffe. Elle est belle, elle est parfaite. 10. Ouais, 10. Honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est 10. C'est carré, c'est 10. Ouais. Ah non, si, il y a un truc à dire quand même. 9,5. C'est ça le problème ouais. avec les pantalons. Ouais. Tu vois, les pantalons qui sont hyper stretchy un peu partout là. Tu as tendance à avoir un truc. Soit tu l'as de devant, soit tu l'as de derrière. Non, mais en fait, tu l'as devant que ça baille un peu. Et derrière, bah, une comme moi, par derrière, exemple, ça rentre. Ça rentre, ouais, ça rentre dans les fesses. Du coup, tu marches un peu, il faut ouais, tirer. Toi, non, tu tires. Ouais, vas-y, c'est dommage. Ouais. Mais ouais, franchement, on a vraiment c'est bien. Ouais. Magnifique outfit. Perfect. On va passer au prochain outfit. Ouais. Ça, c'est vraiment le outfit de la gay. Ça, c'est vraiment. C'est le outfit le plus basique, je trouve, ouais. De tout ce que j'ai commandé. Bah, le haut, je ne l'ai pas commandé, je l'avais de la grossesse de King. Donc, c'est juste un haut de grossesse. Donc, je l'ai gardé. Ça, je l'ai commandé parce que ça. Ah, ouais. Je fais ça. Ouais. Parce que sinon, tu peux mettre avec un crop top. Non, tu peux pas. De base, ça, c'est pour le ventre enceinte, ça fait bizarre. Mais, tu dois avoir un crop top. Mais si! Non, ça fait trop bizarre, wesh. Ouais. J'ai le jean en bas et puis j'ai ça. Ça fait bizarre. Donc, du coup, je le mets avec des longs hauts. Mais c'est un short spécial grossesse, maternité, tu vois. Ouais. C'est pour que, en fait, parce que vu que quand tu es enceinte, tu peux fermer le bouton et tu peux être mal à l'aise. Ça, du coup, c'est tellement stretchy et ça va jusqu'en fin de grossesse. Ouais, ouais. Tu as aussi un truc là pour desserrer, resserrer. C'était tellement lâche que moi, j'ai serré jusqu'à la fin. Donc voilà, j'ai pris ce petit short là, je le trouve quand même cute, tu vois. Ouais. C'est, on dirait pas, hein, si tu, on ne voit pas, bah, on ne voit pas que c'est un short de grossesse. Non, ouais. C'est trop beau. Donc voilà, j'ai pris ce petit short là, de Shein également. Voilà, et toi? Bah moi c'est un petit short d'été, avec un petit crop top, franchement. Basique. Ouais, basique. Je me suis dit, le jour que tu as envie de rester... Tu vas te prendre la tête. Non. Voilà. Vas-y, toi, ouais.
Franchement, il est hyper basique. Ouais. J'aime bien quand même le petit détail d'en bas. Ouais, il n'y a rien de ouf. C'est vraiment hyper basique, le top aussi. Hyper basique. Ouais, voilà. Mais ça va, c'est beau, ça fait simple et tout. Ouais, ouais. Et voilà, chez moi aussi, c'est hyper basique. Il n'y a pas grand chose à dire sur non. ça, je trouve. On a noté. Ouais. D'accord, bah. Franchement, il est hyper basique. C'est trop basique. Même pas pour sortir, je sais pas. C'est pour aller faire les courses, je sais pas. Vas-y, le look. Eh, hey, je t'en donne un bon 7. 7. Ouais. Déjà, 7, c'est bien. Ouais. C'est pour ça, en tout cas, 7, c'est trop bien. Un bon 7. De base, je voulais le mettre avec un crop top, tu vois, pour faire un peu sexy, mais avec ça, d'en haut, ça donne pas du tout. Ouais, donc, non, du coup, ouais. Toi. C'est que tu es quand même beaucoup plus sexy que moi là. Hein. Ah ouais? Bah oui. Mais bien sûr. Moi, avec non, le ventre, je peux me permettre de mettre des crop tops si j'ai un truc maternité comme ça, c'est mort. Sauf comme tout à l'heure, le pantalon qui montait là, là je peux me permettre de mettre un crop top. Bah peut-être de derrière, ça fait sexy. Non, mais même là, c'est vite fait. Ouais. Moi, je dirais 7. Hein. 7. Ouais, 7. Ouais, 7. Mais moi, du coup, je me donnerais moi-même un 6 ou 5. Hein. Même 5, voilà, parce que ça, c'est rien. Bon, en tout cas, c'est fait. Voilà. Et là, en fait, j'ai hâte même de passer au outfit. J'aime pas ça. On a toutes les deux porté une robe. Ouais. Moi, c'est une robe moulante. Assez basique, mais hyper longue. Genre, elle est longue. Jusqu'en bas. Ouais, ok. Ouais. Simple. Ouais, simple. Je te note direct. Hein. Ouais, vas-y. Je la trouve hyper simple. Je la trouve pas waouh, tu vois. Ouais. Donc, si ça. Vas-y. C'est ouais. simple. Voilà. Bah oui, elle est basique. 6 sur 10, je trouve que ça va. Ouais. Genre avec des sandales. Même des petits talons. Ouais. Un petit sac. Un petit sac et puis. Ouais. Right. Moi, j'ai aussi une robe simple. Hein. Honnêtement, elle est hyper simple. C'est juste le bas. Ouais, non, le bas, je trouve. Qui a un petit détail comme ça. Le triangle. Et le derrière, c'est comme ça. Donc voilà. C'est tout. Hein. Sinon, la robe en elle-même, il y a aussi un petit détail là qui se creuse. Mais la robe en elle-même, elle est hyper basique. Hein. C'est juste une robe moulante. Donne combien à ma petite robette? Bah, elle est simple, mais en même temps, j'aime bien la touche du vin. Ouais. Et j'aime bien la matière, elle fait lourde. Ouais, du coup, ça fait une robe de cocktail. Ouais. Du coup, c'est pas non plus une robe simple comme la mienne. Elle fait robe de cocktail. Du coup, je donnerais. Franchement, un bon 8,5. Ouais. Ouais, c'est une bonne note. Parce qu'elle est quand même simple. Ouais, elle est quand même simple. S'il n'y avait pas le bas là, il n'y aurait rien de ouais, dessus. Ouais. Et le derrière, je kiffe même encore un peu plus le détail de derrière. Ah oui, les... Non, ça. Comme c'est fendu là, ah, d'accord. Ça fait beau. Ah, mais rien, il n'y a rien. Oui, non, toi, c'est simple jusqu'en bas. Ouais. Donc voilà, on va passer au prochain outfit. Okay. Voilà, guys. Là, on est sur du classe et sexy en haut. En bas c'est classe, en haut c'est sexy, je trouve. Ouais, mais du coup je trouve que le sexy du haut, genre il prend. Il tue le classe. Ouais, il tue le classe, du coup ça fait sexy. Ouais. Ouais. Et toi c'est outfit vraiment à l'aise. Mais vraiment à l'aise, hyper basique. Ouais. Là, jupe normale, hein, taille haute. Par contre c'est une jupe spéciale grossesse. Ah ouais, tu peux la serrer. Tu peux la serrer. Si ah, t'es encore c'est trop en, bien. En début de grossesse. Et si tu es en fin de grossesse, bah. Tu mets à ta taille quoi et tu mets le bouton quoi. Un 8. Pourquoi? Je trouve que c'est trop extravagant là quand même. Hein. Ouais, ou 9 quand même. Parce que j'aime beaucoup, tu vois. Mais après ça là, c'est too much. Tu as trop montré quand même. Mais j'aime beaucoup. J'aurais donné un 10. Si je vais trop légèrement et bizarre. Ouais. Si c'était légèrement plus couvert, plus ouvert en haut, je donnerais un 10. Parce qu'honnêtement, le pantalon, c'est un 10. Du coup, ta note finale, c'est. Parce que tu as dit 8 et 9. 8. Ok, vas-y. Ouais, à l'aise. Bah, toi, elle est hyper basique quand même. Ouais, elle est hyper basique. Elle reste vraiment hyper elle basique. Elle est grave basique. Il y a juste en plus une couleur. Non, ouais. Toi, franchement, je te donnerais un bon 6. Ouais, 6, ouais. C'est basique, hein. Ouais, c'est basique. Bah, on va passer au prochain. Bon, les gars, pour moi, jolie petite robe noire. Mmh. Elle est belle, ta robe. Ouais. Elle est simple. Ouais, mais j'aime bien le détail là. Ici en dentelle. Ouais. Et le même détail là en haut. Ouais. Ça fait un peu genre robe nuisette. Ouais. On dirait une nuisette, mais c'est trop long pour être une nuisette. Voilà. Moi j'ai une petite combinaison.
Je sais pas quoi penser de cette combinaison. Bah, de base, je la prenais parce que ma mère me disait, ah, mais tous les vêtements que tu prends là, on voit ton ventre, ou bien c'est coupé. Moi, je veux que tu prennes une combinaison quand même pour que tu puisses aller avec à l'église, ou bien tu prends un truc qui sera bien décent pour l'église. Moi, j'ai pris la combinaison là, mais honnêtement, je sais pas quoi penser. Bah, moi, j'aime bien. Franchement, moi, j'aime bien la combi. Le seul moment pour moi, c'est la longueur du... Ouais. Tu vois, c'est court du truc. Quand tu ne prends pas tôle, regardez, ça n'arrive pas vraiment en bas, en bas, en bas. Tu me donnes combien pour cette tenue? Pour la tenue, vu qu'elle est quand même simple, et j'aime pas la longueur, franchement, la longueur, j'aime pas du tout. Ouais. Sèche. Si elle était plus longue, j'aurais plutôt donné un 8,5. Mais la longueur, là, j'aime pas les trucs. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Ma robe. Ta robe. Moi, je dirais 10 ans. Elle est simple. Ouais. Et il n'y a rien à dire sur elle. Bon, 9. Ou 8. Elle est simple. Elle est simple. Pour donner un 10. Un 10, c'est quand c'est waouh. Elle est simple. Mais ouais. Elle est belle. Elle te va bien. Donc, un 8 quand même. Ouais, je dirais un 8. C'est ouais. Ouais, elle est belle. Voilà. Prochaine tenue. Ça, ouais. J'aime beaucoup. Nous sommes toutes deux en mode sexy en fait. Ouais, je trouve. Déjà, ça, c'est pas un outfit grossesse. Hein. Ça, c'est un outfit que j'ai depuis. Mais bizarrement, je trouve qu'il me va mieux avec la grossesse que quand je le portais normal, ouais. Tu vois. Donc voilà, ça, c'est un outfit normal. C'est Shein, bien évidemment. C'est un petit haut. Hein. C'est pas une robe, c'est un petit haut. Avec une petite jupe. J'aime bien les détails du côté-ci. Ouais, du haut. Ouais. Bah, moi, c'est une petite robe Shein, bien sûr. Un petit décolleté. J'aime bien les détails du milieu, là. Ouais. Courte. Derrière, simple, rien de spécial. Mais j'aime bien. Ouais. Franchement, j'aime bien. Je trouve que ça fait sexy. Mais du coup, tu donnerais combien ma tenue? Je dirais. Tu, comment elle est sur toi? Parfaite. 10, impeccable. Ouais, rien à dire, honnêtement. Okay. Ouais, ça va avec ta morphologie et tout. Et du coup, moi. Bah, pareil, hein, je vais juger juste comment elle est sur toi. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et surtout, à la base, ce n'est pas une jupe maternité. Ouais. La dernière fois que tu l'as portée, en fait, t'avais le ventre plat. J'avais le ventre plat, ouais. Voilà, c'est pas possible. Mais du coup, là, ouais. T'es enceinte et tu arrives quand même à la porter juste pour ça. Ouais. L'élasticité. Ouais. Si c'est pas le mot. Tout là. Et c'est comme ça. Ouais. 10. Ouais. Ouais. Là, de mon côté, on est dans du classe. Ouais, c'est clair. Bien classe même. Ouais, on recule-toi encore bien. Ouais. 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 J'aime beaucoup. J'ai la même dans mon panier, mais elle est ouverte ici. J'attends juste à coucher pour la commander. Ouais, parce que là. Ouais, parce que là, c'est ouais, moi ça sert le temps de partir. Mais pour moi, le problème avec cette robe, c'est que bah, quand elle monte un peu, je trouve que ça fait moche. Tu vois, il faut vraiment tout le temps qu'elle soit bien baissée. Ouais, et même là, tu vois, ça se. Ouais. Mais sinon, j'aime beaucoup. Ou bien elle est légèrement. Petite pour toi à ce niveau, au niveau de la taille. Tu penses? Peut-être. Je ne sais pas. Ça fait des plis comme ça. Franchement, je ne sais pas. Sauf que c'est ma taille. Mais elle est belle. J'aime bien. La couleur est belle aussi. Donc, La tienne, elle est basique. Hein. Elle est de Shein également. Ah, d'accord. Ouais, elle est basique. Elle est de Shein. C'est vraiment une robe basique pour marcher. Ouais. Ouais, pour aller faire un tour. Ouais. Par contre, qu'elle arrive jusqu'en bas. Mais tire un peu parce que là c'est même. Mais même. Tirer. Mais même. Tu vois, elle n'arrive pas jusqu'en bas. Et je trouve ça un peu dommage parce que je suis grande quand même. Et c'est pour ça. Chez Shein, si vous êtes grand, achetez tall. Quand vous mettez tall, ça vous donne grande, pour des personnes grandes de taille. Mais si vous prenez normal et que vous êtes trop grand de taille, ça peut être court. Tu vois, là, ça n'arrive même pas. Ça dépasse net mes genoux et c'est dommage, c'est pas ce que je voulais. Du coup, pour ta tenue, je te donne un 10, hein. J'aime beaucoup. Ah ouais? Bah oui. Mais moi, je n'aurais pas donné des 10. Non. je trouve qu'elle aurait eu un 10 si elle était vraiment longue aussi. Non, jusqu'en bas. Ah, moi, c'est... Moi, en fait, je vais arrêter comme ça. Pour moi, c'est bien comme ça. Ouais, honnêtement, pour moi, c'est bon comme ça. J'aurais voulu qu'elle soit bien longue. Bien long, ça faut aussi un autre style. Ouais, mais là, comme ça, c'est pas mal, je trouve. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, bon, bah, merci pour le 10. Bah, elle est simple, bien par sûr. Par contre, elle est belle. Ouais, elle est belle. Du coup, elle te va bien. Ouais. Mais là aussi, je trouve que la couleur, ça fait été. Ouais. Donc, je donnerai un 7. 7, ok. Ouais, ça va, ça mérite un 7. Ouais. Ça mérite moins un 6. Bon 7. Voilà, moi, je vais désormais essayer mes tenues
Genre les trucs que j'ai achetés spécialement pour la grossesse, je vais vous montrer un peu. Je vais les essayer. Ma soeur, c'est bon, elle a essayé. K.O. Elle est fatiguée parce qu'elle a encore des outfits. On a encore des outfits, mais. J'en peux plus. Elle est fatiguée. Honnêtement, filmer des hauls, c'est fatigant. Hein. S'il vous plaît, likez la vidéo. Likez la vidéo et abonnez-vous parce que c'est beaucoup de travail. Un pouce bleu. Encouragez ma soeur à revenir. Voilà, likez la vidéo vraiment. Vraiment. Donc voilà, je vais vite faire me changer. Je vous montre les petits trucs que j'ai pris pour la grossesse. Bon, ça, c'est un outfit vraiment juste simple. Hein. Honnêtement, je l'ai pris juste pour être à l'aise. C'est pas forcément pour sortir avec. C'est juste un petit short comme ça. Rien de ouf. J'ai pris des hauts comme ça d'allaitement. Donc du coup, tu peux allaiter. Tu ouvres comme ça là. Les mamans, vous connaissez. Et honnêtement, ils sont grave bien. Ils sont bien élastiques. Je sais pas pourquoi je les ai pas pris quand j'étais enceinte de mon fils. Hein. J'étais obligée de mettre soutien d'allaitement. Je mets encore un haut dessus. Pourtant là, tu mets ça et tu n'as pas besoin de mettre un soutien. Hein, parce que déjà, l'intérieur, ça fait soutien. Ça a même un petit truc là, une éponge que tu peux enlever si tu veux. Et tu allaites facilement et tu remets. Donc du coup, tu le mets avec un legging. Je vais l'essayer quand même. Voilà, voici comment ça se présente. C'est un haut basique, mais tu peux enlever là, comme ça, pour allaiter bébé. Donc je trouve ça bien. Et du coup, tu n'as pas besoin d'enlever ton haut, enlever le soutien. C'est juste ça, directement, c'est ton haut et en même temps... C'est ton soutien et c'est un peu rembourré. Après, je crois qu'à l'allaitement, je vais enlever parce que c'est pas trop nécessaire. Et c'est bien élastique. Hein. Donc, ça veut dire même en fin de grossesse, je peux rentrer dedans. Quoi. Et même quand tu viens d'accoucher, tu es à l'aise avec ton ventre. Donc, voilà, je suis contente de l'avoir pris. Je l'ai pris en noir également. Et j'ai pris ça. C'est juste un collant basique de grossesse. Une robe que j'ai pour la maternité. Voilà, parce que quand tu as tes contractions et tout, tu vas être dans un truc confortable. Donc, j'ai pris cette petite robe-là pour dormir au cas où le travail est long, tout court pour pendant le travail. Donc, je vais la prendre avec moi comme ça. Même après l'accouchement, je peux la mettre. Et c'est facile aussi pour allaiter bébé. Tu ouvres juste un bouton et tu es à l'aise. Voilà, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, on a fini et je suis fatiguée. Je suis exténuée, je suis fatiguée. Là, j'ai juste une seule envie, c'est me débarbouiller, enlever tout ça là, me mettre en cabas et me reposer. J'espère que ce petit haul vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. On se voit dans ma prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Non, pourquoi pas? Continuons, je vais couper, ouais. Mais Anna, tout le début, on n'a encore rien fait. Qu'est-ce qu'on commence?